Les 9 et 10 juin, l'AST Escrime La Teste Arcachon organisait le championnat de Gironde d'escrime aux trois armes. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les près de 250 tireurs venus des quatre coins de la région. Que cela soit à l'épée, au sabre ou au fleuret, les duellistes ne se sont pas fait de cadeaux sous l'atmosphère électrique de la salle Turpin-Bonneval. Aujourd'hui donc s'est déroulé le 12e, pour la 12e fois ici à La Teste, le championnat de Gironde d'escrime qui comprend trois armes, donc le fleuret, l'épée et le sabre. Pour le club de La Teste, 20 escrimeurs ont participé, des escrimeurs de tous âges, aussi bien au sabre qu'à l'épée et au fleuret. C'est vrai que les Bordelais sont contents de venir ici parce que c'est, je vais dire, festif. La salle est bien adaptée, bien équipée. La ville nous monte des tentes à l'extérieur avec des tables et des chaises. Donc tous les Bordelais, les 18 clubs, je crois, combien de 18 clubs de Bordeaux sont satisfaits, sont contents de venir chez nous. Et nous avons eu quelques podiums hier chez les jeunes et aujourd'hui nous avons quelques podiums aussi, mais j'attends le résultat définitif pour les 9-10 ans là, des jeunes là, qui ont bien marché au fleuret. L'ambiance, comme je vous dis, tout le monde est heureux de venir ici à La Teste, hein, pratiquement tous les ans ils veulent venir ici. Par contre, ça n'a aucune incidence sur des classements importants. Hein, c'est open, c'est ouvert à tout le monde. Je m'occupe de la formation des arbitres en Gironde. Donc ils sont sanctionnés aujourd'hui, ce week-end, les arbitres de Gironde. Ils sont évalués pour leur examen définitif, pour savoir si l'examen d'arbitre territorial leur est attribué. Voilà, donc ça va être délibéré tout à l'heure. Je vais remettre les fiches avec les appréciations, les notes qu'ils ont obtenues. Et s'il y a eu des échecs, et ben, malheureusement, il faudra qu'ils repassent l'année prochaine.